Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur Radio et TV de Vie. Nous sommes en direct. Je vais juste demander à l'équipe technique de nous aider par rapport au retour, ça fait bizarre. Voilà, que Dieu soit béni. Et il est 21h05, pratiquement heure locale, et nous sommes en direct. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci à vous tous qui priez pour nous, qui nous soutenez dans vos prières. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Nous proclamons, Seigneur, ton nom, ta seigneurie, ta grandeur, et nous voulons vraiment te voir élevé, Seigneur. Que ta parole nous guérisse, que ta parole nous affranchisse, et que l'œuvre de l'ennemi dans nos cœurs, Seigneur, soit brisée au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël. Amen. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes, aux frères et sœurs qui nous ont encouragés pour organiser, hein, par rapport à l'organisation du programme à Chartres. Et vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous. Nous avons été bénis. Et merci en tout cas aux frères et sœurs de Chartres qui se sont mobilisés grandement pour la réussite de ce programme. Et ce ne sera pas le dernier programme, le premier et le dernier. Il y en aura certainement d'autres. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Sans plus tarder, nous sommes dans Psaume chapitre 24. Psaume 24. Psaume de David. La terre appartient à Yahweh. Donc je vais laisser le temps à l'équipe technique de nous mettre ce psaume sur l'écran. Voilà, Psaume 24. Et Psaume 24, donc... Psaume de David, la terre appartient à Yahweh, avec tout ce qui est en elle, la terre habitable et ceux qui y habitent, car il a fondé sur les mers, il a fondé sur les mers et l'a établi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de Yahweh? Qui demeurera dans le lieu de sa sainteté? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne livre pas son âme à la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de Yahweh et la justice de Dieu, son sauveur. Tels sont ceux qui l'invoquent, ceux qui cherchent ta face en Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? C'est Yahweh, fort et puissant. Yahweh, puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? Yahweh des armées. C'est lui qui est le roi de gloire. Et David, notre frère, notre père, notre aîné dans la foi, a eu le privilège, bien sûr, avait le privilège de servir le Seigneur, de le chanter. Avec sa harpe, et là il reçoit cette grande révélation concernant justement le retour du Mashiach. Et il annonce sa venue ici, et il s'adresse aux portes. Il s'adresse aux portes, et que ces portes justement s'élèvent afin que le roi puisse y entrer. Alors bien évidemment, il y a plusieurs portes. Souvenez-vous que Yeshua est la porte des brebis. La porte des brebis. Et il est question ici de l'entrée du roi de gloire. Et le roi de gloire entrera. Et on ne peut pas, effectivement, comme vous le savez, dissocier le roi de sa gloire. Et rappelez-vous bien aussi que Yeshua, notre Seigneur, qui est le roi de rois, reviendra chercher une église glorieuse, une église dans la gloire, c'est-à-dire des chrétiens dans la gloire, mais pas la gloire selon le monde, pas la gloire par rapport à l'argent, par rapport au matériel, c'est pas cette gloire-là, parce que elle a été proposée au Seigneur par le diable, et le diable l'a refusée. Et vous savez que beaucoup des pasteurs, malheureusement, proposent cette gloire-là. Hein. On va vraiment différencier les choses pour ne pas se laisser avoir par l'ennemi. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, on va rapidement voir la fausse gloire que certains prédicateurs proposent, hein, avec des soirées de gloire soi-disant,
Dans ce séminaire, il y a des mélanges de faux pasteurs, de faux bergers, de faux frères, de voleurs, de faux docteurs. Et donc, dans Matthieu chapitre 4, nous lirons à partir du verset 4. Même à partir du verset 1er plutôt. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une forte et haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Mais Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges s'approchèrent et le servirent. Donc on voit ici Satan qui propose à Jésus la gloire de tous les royaumes de ce monde. Et dans Apocalypse 18, on nous parle de la chute de Babylone et on nous parle des marchands de cette ville, cette grande ville qui pleurait parce que leur gloire était ternie. Et voilà, donc il y a une gloire dans ce monde, une gloire complètement passagère. Et Yeshua, notre maître, dans Jean chapitre 5, rapidement on va le prendre. Jean chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit justement par rapport à cette gloire? Alors, dans Jean chapitre 5, il dit au verset 41, « Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. » Au verset 44, il dit, « Comment pouvez-vous croire puisque vous recevez la gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Donc, il est question ici des pharisiens qui tiraient la gloire les uns des autres et qui recherchaient la gloire des hommes. Et non celle qui vient de Dieu seul. Donc il y a deux types de gloire, la gloire de ce monde, la gloire qui vient du monde, et cette gloire-là, beaucoup de pasteurs la proposent aux chrétiens. Ils vont faire des soirées, des séminaires de gloire, soi-disant. Mais quand on y va, qu'est-ce qu'on y trouve? Le matériel, et un enseignement basé sur l'enrichissement personnel, sur le matériel qu'il faut être puissant financièrement pour influencer le monde matériellement, mes amis. Si vraiment Jésus voulait que le monde soit influencé matériellement, il aurait prêché. Il aurait dit. Pourtant, celui qui a marqué, l'homme qui a le plus marqué le monde, qui a été l'homme le plus influent, Yeshua bien sûr, il a dormi, il est né dans une étable. Il n'avait même pas un lieu où poser sa tête. Il dira un jour, les oiseaux ont leur nid, les renards leur tanière, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où se reposer. Et, honnêtement. Il a marqué le monde, non avec la gloire de ce monde, mais avec la gloire qui vient du Seigneur, c'est-à-dire la sainteté, la crainte de Dieu, l'amour pour les âmes, la compassion pour les âmes, l'évangile véritable, le feu dévorant. Cette gloire-là qui a mené les gens à se prosterner devant le Seigneur, à confesser leurs péchés, qui permettait aux gens d'être libérés, les démons étaient chassés, les malades étaient guéris. Cette gloire-là qui coûte. La croix, tout simplement. C'est ça la véritable gloire. Voyez? Et là, justement, on nous dit que le roi de gloire doit entrer. Donc, si Yeshua, le roi de gloire, doit entrer quelque part, c'est-à-dire, je pense qu'il va rentrer dans sa maison, c'est que Satan est venu proposer une autre gloire. Sachant que l'homme a été créé dans la gloire. L'église est née dans la gloire. On nous dit que des langues de feu se posèrent sur chaque tête. Hein, sur chaque disciple de Yeshua, il y en avait 120. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de conversions après. Voilà la gloire véritable.
c'est des conversions, c'est des guérisons, c'est des gens qui se repentent, des satanistes qui abandonnent la sorcellerie, tout ça, véritablement. Mais aujourd'hui, la gloire qu'on vous prêche dans vos églises, mes amis, c'est quoi? Être en costard et cravate, on dit, c'est ça, saluez-vous par majesté, on dit, c'est ça la gloire. Vous voyez, c'est de la fumée aux yeux du Seigneur, mes amis, dans les narines du Seigneur, c'est de la tromperie. Voilà. Il y a une forme de gloire parce qu'ils se congratulent, parce qu'ils se font, ils se tapent sur l'épaule, ils ont leur gentil. Mais en fait, c'est pas ça la gloire véritable, mes amis. C'est une gloire passagère. Passagère. Et il est question ici, dans psaume 24, n'est-ce pas, de demeurer dans la gloire de Dieu, la gloire véritable. Et la question est posée, qui peut demeurer, n'est-ce pas, dans cette gloire-là? Et on nous dit, justement, l'auteur s'adresse aux portes éternelles et il leur demande, n'est-ce pas, d'élever leur linteau, tout ça, là, pour permettre au roi de gloire d'entrer dans sa maison. Alors, je disais que il y a plusieurs portes, hein. Donc, d'abord, Yeshua lui-même est la porte des brebis. Il le dit dans Jean 10. Il y a aussi les portes de l'enfer, de Hadès. Et le dieu le plus craint chez les Grecs. Et il était tellement craint qu'ils utilisaient un euphémisme pour ne pas avoir à prononcer son nom, tellement qu'ils le craignaient, ils le redoutaient. Il appelait le Dieu aux portes closes. C'est-à-dire ces portes-là, quand une fois qu'elles étaient fermées, personne ne pouvait y sortir de l'enfer. C'est pour cela que les morts qui sont, bien sûr, qui étaient là, aussi bien les croyants que les impies, ne pouvaient pas s'y échapper. N'est-ce pas? Et Yeshua dira justement, dans Matthieu 16, il dit à Pierre, tu es Pierre, Pétros, un petit caillou, et que sur ce roc, Pétra, un grand rocher, je bâtirai mon église, disait-il. Et il disait que les portes de l'enfer ne pouvaient pas, n'est-ce pas, détruire son église, ne peuvent pas détruire son église. Et seul Yeshua, mes amis, seul Yeshua est sorti, hein, de l'enfer, et pour ne plus repartir là-bas. Et seul Yeshua a vaincu la mort. Et j'imagine quand il est allé en enfer, comment ses portes se sont d'elles-mêmes et se sont ouvertes naturellement, simplement parce que le roi de gloire devait entrer justement en enfer pour libérer les captifs. Mais je ne veux pas parler de toutes ces portes-là, je vais plutôt parler d'une porte, selon Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse 3, 20, les Écritures nous disent ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte. Et il dit, je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. En fait, le Seigneur dit d'un côté qu'il frappe à la porte et de l'autre, il dit, il y a la voix, il y a sa voix. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Donc, d'abord, la porte dont il est question ici, c'est la porte de nos cœurs, la porte de nos assemblées. Et Yeshua, qui était au milieu de l'église, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 12 et 13, il était au milieu de cette chandelle d'or, à la fin de l'âge actuel, il se retrouve hors les églises, hors des églises, et là, il frappe à la porte, c'est-à-dire, il est en train de parler, sa voix peut être entendue. Parce que quand il dit qu'il frappe, en fait, il est en train de parler. Or, comment peut-on reconnaître la voix du Seigneur? Comment peut-on savoir que Dieu nous parle? Comment peut-on distinguer la voix du Seigneur? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er. Qu'est-ce que la parole nous dit ici par rapport à la voix du Seigneur? Parce que c'est ça le problème, hein, de beaucoup de chrétiens. Comment Dieu parle? Comment peut-on reconnaître sa voix? Parce qu'il frappe à la porte. Il frappe à la porte de chaque chrétien aujourd'hui. Et il est en train de demander à ce que des portes s'ouvrent pour pouvoir y entrer. On nous dit... Au verset 9, après le chapitre 1er, au verset 9, « Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette
qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, à savoir à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je me retournais pour voir celui dont la voix m'avait parlé et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or et au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grosses ou de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était semblable au soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voilà, donc là, Jean décrit Jésus-Christ de Nazareth, mais pas le Jésus historique, c'est-à-dire le Yeshua des évangiles qu'il a connu, le Jésus-Christ totalement homme. Là, il décrit Dieu, n'est-ce pas? Il décrit Yeshua ressuscité, mort et ressuscité. Parce que selon les évangiles, n'est-ce pas, il n'était pas mort encore. Il était vivant. Il était encore en vie. Et je veux dire charnellement, il n'était pas encore mort. Mais celui-ci, là, celui qui est décrit ici, c'est le ressuscité. C'est le Jésus-Christ dans la gloire, avec un corps glorieux, glorifié. Un corps qui ne peut plus connaître la mort. Voyez? Et ça, c'est magnifique. C'est le ressuscité. En fait, quand il disait dans Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. » Donc là, Jean a eu affaire à un Jésus glorieux, glorifié. Et qu'est-ce qu'il dit? En fait, il entend une voix qui ressemble à au son d'un chauffard, d'une trompette, qu'il n'avait jamais entendu. En fait, il a entendu la voix de Jésus-Christ, homme, et il connaissait cette voix-là. Quand il était encore avec lui, quand il était encore, mes amis, sur terre avec eux. Mais le son du l'autre voix de Jésus-Christ qui ressemble à un chauffard, à une trompette, Jean ne l'avait jamais entendu. C'est pour cela, on nous dit, il le dit, hein, qu'il était ravi au jour du Seigneur. C'est-à-dire, il a fait un bond dans le temps, il a voyagé dans le futur. L'Esprit l'a pris et l'a amené dans le futur. Et il a vu le jour où le Seigneur va revenir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Waouh! Ici, le son de la trompette nous parle du ministère prophétique, du prophète par excellence. Jésus, le prophète par excellence. Parce que dans Ésaïe 58, au verset 1er, Dieu disait au prophète, il lui disait ceci. Rapidement, je veux le lire pour vous. Ésaïe 58, verset 1er. Il lui disait, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un chauffard, ou une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Voyez? Donc, le chauffard, la trompette, nous parle du ministère prophétique. Et là, Jean, en fait, voit Yeshua, hein, le prophète des prophètes, le Dieu des dieux, le roi des rois, qui se révèle à lui. Et il ne s'arrête pas là. Il dit également que sa voix ressemblait aussi au bruit des grandes eaux. Pourquoi les eaux? Eh ben, l'eau, bien sûr, c'est pour purifier, c'est pour nettoyer. Et donc, le ministère prophétique de Yeshua consiste dans la purification. D'ailleurs, il nous dit qu'une épée aiguë sortait de sa bouche. Et nous savons tous, selon Hébreux 4, 12, qu'il est question de la parole de Dieu, de l'esprit, hein, de la parole côté esprit. C'est-à-dire la parole tranchante, la parole qui sépare. Donc, quand Yeshua dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe, c'est-à-dire il est en train de parler en tant que prophète, il est en train de parler pour qu'il y ait séparation entre le blé et l'ivraie. Il est en train de parler afin qu'il y ait sortie de Babylone, afin qu'il y ait séparation avec les faux frères. Il frappe à la porte de son église, de son peuple actuellement, pour que son peuple se sépare d'avec des faux frères. Pour que son peuple, mes amis, se dispose à entrer dans une nouvelle, mes amis, relation avec le Seigneur, avec sa personne, avec son être, avec son esprit.
Et Jean entend cette voix-là comme le son d'une trompette, et il n'a pas su qui était cette personne qui parlait, et il dit, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, écrit dans un livre, ce que tu vois. Et il dit, alors je me retournais pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Donc, il n'a pas su l'identifier, il dit celui. Vous voyez? Et c'est, actuellement, Yeshua parle comme le prophète. Il s'adresse à son peuple. Comment? Eh bien, il s'adresse à son peuple en songe, en vision. Il s'adresse à son peuple au travail des visions qu'il donne. Beaucoup de visions actuellement sont données aux enfants de Dieu par le Seigneur. Des vrais chrétiens reçoivent beaucoup de songes. Conformément à Joël 2:28, où Dieu dit, n'est-ce pas, vos jeunes gens auront des visions. Dieu, je vous dis, nous sommes dans une génération, il donne beaucoup de visions à ses enfants, il leur montre qui sont les vrais, ses vrais serviteurs et qui sont les faux. Il leur montre, pendant qu'ils sont sur leur lit, Dieu vient et leur ouvre l'esprit. Donc du coup, ils ne peuvent plus être trompés par les charlatans, n'est-ce pas? Parce qu'on nous dit, s'il était possible, de séduire même les élus. C'est-à-dire, Dieu ne permettra pas que ses élus soient trompés, séduits, tout ça là. C'est pour cela qu'ils sur leur couche là, il leur parle. Il a parlé à Joseph en songe, il a parlé à David, il a parlé à Abraham, il a parlé à Isaac, il a parlé à Jacob, il a parlé à ses enfants. Et là, ben, actuellement, c'est la génération des songes. Dieu répand des visions des songes, mes amis, là. Joël 2:28. Dans le dernier jour, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est pour ça que moi je ne m'inquiète même pas que les gens me critiquent, parlent, ils font ma pub, ils font la pub du message que Dieu nous a confié, parce que Dieu donne des songes à ses serviteurs, à ses enfants. Voilà ce qui se passe. Beaucoup viennent nous voir pour dire, frère, j'ai eu un songe sur toi, j'ai dit, Dieu t'a parlé, oui, que Dieu soit béni. Dieu parle à ses enfants. Voilà. C'est pour ça que les détracteurs, là, les gens qui, les jaloux, ils ne font rien de plus, ils ne peuvent même pas détruire l'œuvre du Seigneur parce que Dieu parle. La preuve, plus il parle, plus encore des foules de gens que Dieu touche. Parce que Dieu parle à ses enfants. Le Seigneur dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Voyez? Porte élevée vos linteaux. Parce que Dieu parle à son peuple. Dieu parle à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est en train de revenir. Beaucoup de chrétiens reçoivent que l'enlèvement ne va pas tarder. Beaucoup de chrétiens reçoivent cela. Beaucoup de chrétiens. Voyez? Il parle comment? Il parle par l'évangile véritable, la parole. C'est l'épée de l'esprit qui sort de sa bouche. C'est-à-dire, un message a été envoyé sur terre. Le retour à la parole, un message sur la croix, un message sur l'enlèvement de l'église, un message sur la sanctification, sur la crainte de Dieu, sur la sainteté, sur l'amour véritable, un message sur Jésus qui guérit, qui sauve, qui libère. C'est ça le message, mes amis. Alléluia. Pas un message qui vous parle de la gloire des hommes, tout ça. Voilà, il faut être en costard et cravate, il faut avoir un bâtiment tapissé, tout ça, là, machin, tapis rouge, tout ce que vous voulez, machin, tout ça avec une chorale, avec des soutanes, tout ça, là, avec des diplômes. Quand les gens sont formés dans leurs écoles théologiques, il faut payer 650 €, je sais pas quoi, là, 900 €, Babylone, tout ça, là, c'est la confusion. Babylone, c'est quoi? C'est la confusion par le mélange. Vous voyez, tous ces faux là, ils sont tous mélangés. Ils sont tous connectés les uns les autres. Ils vont se congratuler. Un tel va faire la pub de l'autre sur son Facebook. L'autre là va faire. Ce sont des impies. Ce sont des Hérodes et des Pilates qui ne s'aiment pas, mais qui sont unis contre les vrais enfants de Dieu. On le sait aujourd'hui. C'est Dieu même qui les met ensemble. Comme dans Michée 4, le dit, Dieu dit, dans Michée 4, il dit, c'est Dieu qui les a rassemblés comme ça, là, pour bien les frapper. Voyez? À cause de la jalousie, Dieu, ils se mettent ensemble pour être plus forts. Vous avez vu, à l'époque de Michée, dans 1 Roi 22, vous avez vu, mes amis, Michée était tout seul, contre 400 faux prophètes. Il y a toujours eu une fédération des prophètes dans la Bible, mais ce sont des faux. Et les vrais prophètes étaient dans le royaume de Dieu, toujours seuls, solitaires, en train de proclamer, de crier le retour de Mashiach, l'avènement du Mashiach, n'est-ce pas? Que Dieu nous garde. À l'époque d'Élie, il y avait une fédération de 850 faux prophètes. Ils mangeaient où? À la table de Jézabel. Et c'est tous ces prophètes modernes d'aujourd'hui, tous ces gens qui sont sur Facebook, qui vont parler des frères et sœurs, qui vont critiquer, ils mangent à la table de Jézabel, c'est-à-dire ils boivent la même coupe, la coupe des démons dont il est question dans 1 Corinthiens 10. Ils mangent à la table de Satan, à la table de Jézabel. Ils ont la même semence. Ce sont des impies, c'est livré, mes amis. Ils ne font aucune œuvre. Ils sont jaloux, ils sont aigris parce qu'ils n'ont pas eu les postes qu'ils voulaient. Ce sont des impies
qui n'ont jamais su faire une œuvre. Ils vont d'église en église, ils vont se rebeller d'église en église, ils sortent de là pour commencer leurs œuvres, mais ça marche jamais. Ils sont là en train de faire du racolage, ils sont en train de chercher des âmes à gauche, à droite. Ils sont associés, ils font des séminaires souvent dans leurs églises, là, pour ceux qui dirigent des églises, toujours des séminaires avec plusieurs intervenants. Tous les ans, c'est le même séminaire, les mêmes intervenants qui viennent vous donner des colloquintes sauvages. Et tous les ans, il faut les loger dans les hôtels 3-4 étoiles. Tous les ans, il faut toujours des jeunes femmes bien habillées pour les accompagner, pour leur faire à manger. Ce sont des impies, ce sont des rois avec leur royaume. Voyez, il faut des gros 4x4, hein, il faut des gros 4x4, ils ont des Mercedes qui coûtent plus de 100 000 euros, tout ça. Ils vont offrir des 4x4 à leurs femmes pour leurs anniversaires. Et ce sont des pharaons, et c'est vous les chrétiens, vous construisez leur magasin comme les enfants d'Israël en Égypte. Voilà. Voyez, ce sont des masturbateurs sur Internet. On sait comment ça fonctionne. Et ils sont tous unis contre les vrais enfants de Dieu. Voilà. Et Dieu maintenant dit à son peuple, porte, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Le véritable roi qu'ils ont expulsé de leur bâtiment, qu'ils ont chassé de leur bâtiment pour régner eux-mêmes. Et ils ont installé leurs femmes comme des first ladies, comme des premières dames, n'est-ce pas, ces femmes se dandinent sur leurs talons comme des véritables, excusez-moi, des véritables canards, tout ça là. Et c'est le monde à l'envers, c'est la confusion aujourd'hui. Et le Seigneur dit à son peuple, l'heure est arrivée où vous devez élever vos linteaux pour que le véritable roi vienne. Voyez, mes amis, regardez sur les affiches. Vous avez leurs affiches avec leurs photos, là, tout ça, là. Un tel prophète, un tel ministère, un tel pasteur. Ça vient de Burkina Faso, ça vient d'ici, là. Ça vient de Brazza, ça vient de Congo, ça vient de Côte d'Ivoire. Ça vient de cette vase d'honneur. Tout ça, là, c'est laquelle vase d'honneur? Confusion sur confusion, mes amis, là. Confusion sur confusion. Ils font des soirées de gloire. Quelle soirée de gloire? Quelle soirée de gloire? Pour faire des appels de fonds pour avoir 1 million pour construire le temple? Hein? C'est ça, la soirée de gloire? Quelle soirée de gloire? C'est la confusion sur confusion, mes amis. Nous sommes dans une génération, il y a tellement plus la nourriture spirituelle que des chrétiens là vont chercher les colloquintes sauvages, comme dans la Bible. Les fils de prophètes, il y avait tellement la famine qu'ils sont allés trouver, mes amis, des colloquintes sauvages dans une forêt. Ils ont mis ça dans le pot et la mort était dans le pot. Et c'est actuellement là, la mort est dans le pot. Pourquoi? Parce que la forêt, c'est Internet. Et les gens vont chercher la colloquintes sauvages sur des sites Internet, tout ça là, pour venir nourrir les gens dans leur bâtiment d'église, pour les tuer encore davantage. Voyez? Et ces faux docteurs là, ils sont où? Ils enseignent où? Ils vont pas sur le terrain, ils sont sur leur cuisine, ils vont sortir leur tête, tout ça parce qu'ils pensent que parce qu'ils ont 2 ou 3 vues, hein, 100 vues, ils pensent que ils ont 2 ou 3 ou 4 abonnés, ça y est, c'est fini. C'est la confusion totale. Le problème, c'est qu'il n'y a plus la gloire véritable. La gloire véritable qui fait que les gens, les sorciers se convertissent sans même qu'on annonce l'évangile. Rien que par la présence de vrais enfants de Dieu, les sorciers sont convaincus du péché. Il n'y a plus de confession véritablement. Voyez? Et ils pensent que le ministère, c'est Facebook. Hein? Depuis que cet Américain a créé ce réseau social-là, tout ça-là. Alors, il y a beaucoup de ministères maintenant aujourd'hui. Donc, c'est lui qui est l'initiateur de leur ministère. L'inspirateur, l'instigateur de leur ministère. C'est grave. Et celui qui a créé Facebook, YouTube, ça y est, c'est pareil. Nous, avant YouTube, là, on prêchait l'évangile avec des guérisons, des miracles, tout ça. C'est la confusion totale. Leurs églises, là, c'est YouTube. Leurs églises sur Facebook. Vous avez vu sur Facebook, mes amis, leurs photos, tout ça là. Ils aiment les photos. Ils s'affichent avec des musiciens du monde. C'est la confusion totale. Ils sont en train de parler de leurs affaires. J'étais en tel voyage sur Facebook. Regardez mes photos, tout ça, machin. Tout. Ils se congratulent parce qu'ils ont 200 000 abonnés, tout ça. C'est la confusion. Nous sommes dans une génération là. Moi, je sais plus. C'est chacun, mes amis, c'est chacun d'abord. Chacun doit aller voir le Seigneur d'abord personnellement parce que c'est la confusion totale. Totale. Et moi, comme je le dis de plus en plus, je suis un homme seul, je crie. Ne me demandez pas où se trouve ton église, frère. Moi, je crie. Chacun doit chercher à se sauver. À aller vers le Seigneur. Voilà. On ne recommande plus les assemblées parce qu'aujourd'hui, c'est Babylone, c'est con. C'est la confusion totale. Même, je vous dis, même les assemblées que Dieu m'a fait implanter, j'ai donné l'autonomie. Il y a beaucoup de confusion ici et là. C'est la confusion totale. Beaucoup ne veulent pas du Seigneur, beaucoup veulent le mélange, ils ont des amis fictifs, tout ça, il y en a qui sont aux États-Unis, Canada, Kinshasa, en Afrique, tout ça, Côte d'Ivoire, tout ce que vous voulez. C'est la confusion totale. Chaque année, je dis pour les grands bishops ici en France, c'est des séminaires pour dépouiller les chrétiens. Ils vont dire aux jeunes, allez travailler même au McDo pour ramener l'argent pour qu'on construise le royaume de Dieu. Mais attendez, le royaume de Dieu a déjà été mis en place par le roi lui-même. Qui va bâtir ce royaume-là? Qui va construire le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu existe avant notre création. Dieu a créé d'abord son royaume. Dieu est roi
a toujours été roi. Il n'est pas devenu roi parce qu'il nous a créés. Après nous avoir créés. Hmm? Quand Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'était pas encore parti sur la croix, mais le royaume était déjà là. Quel royaume encore allez-vous bâtir? Hmm? C'est la confusion totale. Des chrétiens sont confondus, sont dans un mélange comme pas possible, mes amis. Le message là, c'est quoi? C'est la croix. Porte et le volanto. Pour que le roi de gloire, n'est-ce pas, vienne, pour qu'il entre. Et le roi de gloire entrera sans, mes amis, l'élévation de linteau. Le roi ne peut pas entrer. Non. Ça, c'est clair. Élever le linteau, ça veut dire quoi? Hein? Les linteaux ici, là, signifie aussi tête, la tête. Hein? En hébreu. Le mot linteau ici. La tête. C'est-à-dire, il faut élever, hein, la tête qui est Jésus-Christ de Nazareth pour que la gloire se manifeste. Tant qu'on va élever les bishops, là, tant qu'on va élever les docteurs, là, tout ça, là, tant qu'on va, ça va pas se manifester. Il faut que seul Yeshua soit élevé pour que la gloire véritable vienne afin que l'église soit enlevée. Voyez? Comme dans Matthieu 25, à minuit, quelqu'un est venu crier, voici l'époux. Et les vierges sont réveillées et elles ont préparé leurs lampes. Donc nous sommes dans une génération où des lampes doivent être préparées. C'est-à-dire l'évangile véritable, la parole véritable. Et il faut avoir de l'huile. Il y en a, ils ont seulement des lampes. Voilà pourquoi ils sont sur YouTube. Ils n'ont pas l'huile, ils ne peuvent pas aller partout parce qu'ils n'ont pas l'huile. Le problème, c'est ça. Tout le monde a, il y a les cinq vierges, les cinq folles ont des lampes. Elles sont sur YouTube, elles sont sur Facebook. Elles font des séminaires ici et là, il n'y a personne, il n'y a rien. Nous, nous voulons voir le Mont Carmel. Nous sommes sur le Mont Carmel. Le peuple veut voir des guérisons. Le peuple veut voir des handicapés qui sont guéris. Le peuple veut voir des aveugles qui voient. Nous ne voulons plus seulement entendre, parce que tout le monde a des lampes. Tout le monde a une lampe. Hmm? La Bible est accessible à tout le monde aujourd'hui. Tout le monde, il y a plus de 200 versions de la Bible. Donc tout le monde peut avoir accès à la Bible. Sur Internet, tout le monde peut télécharger une application de la Bible. Mais le problème, c'est que c'est l'huile. L'huile vient du ciel. On peut avoir une Bible falsifiée qui sort du Vatican. Hein? Mais tu peux avoir l'huile qui vient de l'huile, la véritable huile, elle ne vient que du ciel. Parce que Dieu dit dans Psaume 23, Dieu dit, je dresse une table devant toi, en face de tes adversaires, et je onduis ta tête et ta coupe va déborder. Le problème, c'est que beaucoup, là, on ne voit pas le débordement de leur coupe. Et depuis quelques jours, là, Dieu me pousse à parler, à dire les choses. On dit, non, c'est l'orgueil. Non, on veut vous prêcher, non? Vous prêchez. Eh bien, venez. Venez sur le Mont Carmel, démontrez-nous la puissance de Dieu. Voilà. Démontrez-nous la puissance de Dieu. Parlez, c'est bien. Parlez, non, c'est sorcier, il est sorcier, gourou, sorcier, magicien, gourou, tout ça, machin, il n'y a pas de problème. On était à Chartres hier, sur le Mont Carmel, c'était en direct. Les malades qui étaient là, beaucoup étaient guéris. Des baptêmes, des gens confessaient la sorcellerie, confessaient le péché. Je dis, mais vous, démontrez-nous ces choses-là aussi. Voilà. Moi, j'aime ça quand ça m'attrape comme ça, là. Hein? J'aime ça, frères et sœurs. Quand on a l'huile, là, mes amis, là. Hein? Élisée est allée quelque part, frères et sœurs. Hein? Élisée est allée quelque part, chez la veuve, là, tout ça, là. Élie, chez la veuve de Sarepta. Il y avait la famine. Et il n'y avait plus d'huile. La femme avait seulement un peu de bois, là, qu'elle ramassait, là, pour préparer son dernier repas. Élie arrive chez elle, là. L'huile n'a pas manqué. Hein? Le problème, c'est l'huile. L'huile. L'huile, il faut être reconnu par le ciel. L'huile, il faut pour l'avoir, il faut être mandaté par le ciel. Parce que beaucoup de gens se mandatent eux-mêmes. Aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir une page YouTube et devient ministère. C'est facile, c'est gratuit le compte YouTube. Hmm? Tout le monde peut faire du direct avec YouTube, c'est facile, c'est gratuit. Tu ouvres un compte, tout ça là, une page, tout ça là, tac, tac, tu payes un petit abonnement Internet, ça y est, tu es un ministère. Tu as une version de la Bible, tout ça, tu commences à parler, même les fous, tout le monde a créé sa religion sur Internet. Hmm? Il y en a même qui me critiquait à l'époque. Il a créé sa religion. Il est maintenant missionnaire. Il m'a oublié une fois qu'il a fait son nom là maintenant en me critiquant. Il a fait son ministère maintenant. Il se déplace à gauche à droite. On l'invite partout parce qu'il a son ministère maintenant. Mais le problème, c'est l'huile. C'est l'huile. Les sorciers ne peuvent pas se convertir s'il n'y a pas l'huile. Alors les chrétiens veulent voir l'huile. Pour avoir l'huile, frère, il faut reconnaître la voix du maître. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voilà. Porte et levez vos linteaux. Chrétiens, c'est le temps d'élever le Seigneur. Les linteaux, là, c'est le Seigneur. Il faut l'élever, il faut le glorifier, il faut le magnifier. Et là, mes amis, là, si vous êtes de Dieu, eh bien, la gloire de Dieu va se manifester parce que Dieu revient. Il reviendra chercher une église glorieuse, c'est-à-dire en doxa, en grec, une église dans l'éclat.
l'éclat de la gloire, une église qui reflète la sainteté de Dieu. Voilà. Pas la gloire des hommes, là. Pas la gloire des hommes, là. Vous savez, je vais vous dire, frère, ce soir, là, je vais parler un peu. Vous voyez? Je dis bien, les malades, là, n'ont pas besoin de blablabla. Moi, j'ai la lampe, tout ça, machin, tout ça. J'ai la théologie. J'ai fait la théologie. J'ai la connaissance de tel verset. Il y en a qui avaient ça, là, mes amis. Leur bâtiment fermé. Pourquoi pas? S'il n'y a pas l'huile. C'est ça. On dit non, le bâtiment fermé, c'est à cause des Chora, à cause des autres. Mais attends. Qui peut fermer l'église du Seigneur? Si c'est ton bâtiment, c'est une église. Déjà, c'est pas une église, les bâtiments. Vous voyez? On dit non, nous, on a fermé parce que c'est à cause de lui, parce qu'il est méchant. Qui peut détruire l'église? Il y en a même qui disent, nous sommes convaincus qu'il a été mandaté pour détruire l'église du Seigneur. Attendez, les amis. Qui peut détruire l'église du Seigneur? Le problème, c'est l'huile. Dieu ne vous reconnaît pas. Vous vous êtes précipité vous-même dans le ministère, il ne vous connaît pas. C'est ça le problème. Il y en a qui ont fait la théologie, ils se sont suivis avec la théologie, avec beaucoup de connaissances dans la tête. Et comme il y a une soif, aujourd'hui, comme il y a une soif, si on propose aux gens des colocones sauvages, ils vont quand même acheter parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais le problème, c'est que quand les vrais chrétiens entendent le son du chauffard, là, ils reconnaissent la voix du maître et disent, ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait déjà parlé dans leur cœur. C'est ça le problème. Donc, je ne suis pas le premier à prêcher ce message-là, je ne serai pas le dernier. C'est pas par moi que ce message est arrivé, pas du tout. C'est avant qu'il arrive, avant que je ne sois né, ce message existait déjà. Donc les vrais enfants de Dieu dans le monde entier ont reçu ce son-là. Ils entendent ce son du chauffard-là. Ils entendent ce son et quand ils entendent ce message-là, ils disent c'est ça le message. Et les pharisiens modernes leur disent non, écoutez surtout pas parce que c'est l'antichrist. Les chrétiens disent non. Comme ce monsieur dans Jean 9 qui était aveugle de naissance, il dit aux pharisiens après qu'il a été guéri. Il dit, je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas, comme vous dites, mais je sais une chose, j'étais né aveugle, mais maintenant je vois. Voilà, pendant des années, je vous ai écouté dans avec vos discours, la pompeux, tout ça, avec vos discours persuasifs. Pendant des années, vous parliez bien. Voilà, oh, comment maman, oh, bishop, oh, machin, tout ça. Là. Pendant des années, mais je n'étais pas guéri. C'est ça la différence. Mes amis. On est parti à Genève, là, une femme est venue, tout ça, a dit, il faut prier pour moi. Je lui ai dit, t'as quoi, une hernie discale, on va casser le disque, là, tout ça, là, au nom de Jésus. On a prié pour son hernie, Dieu l'a guéri instantanément. Frère, c'est ça l'évangile, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous sommes fatigués de blablabla. On est fatigués. Cet homme né aveugle, il dit aux pharisiens, qui était jaloux. Il y a toujours les pharisiens, il y en a toujours eu. Vous savez prier. Ils disent à cet homme, oh, bénis Dieu parce que cet homme est un pécheur. Il dit, je sais pas si c'est un pécheur ou pas. Bénis Dieu parce que cet homme s'habille en vêtements de marque. Je sais pas s'il s'habille en vêtements de marque ou pas. Bénis Dieu parce que cet homme est soutenu par les hommes politiques. Je sais pas s'il est soutenu par les hommes politiques ou pas. Bénis Dieu parce que ce monsieur, moi quand on me provoque là, je parle. C'est comme ça que Dieu m'a créé. On m'a dit, non, il faut que Dieu le change. Non, c'est ma voix. Il m'a donné une voix pour parler, une bouche pour parler. Il m'a dit, il faut se donner le chauffard. Il a mis un chauffard dans ma bouche. Donc, même quand je dors, le chauffard retentit. Je n'ai pas le choix. Non, il faut bénir Dieu parce que cet homme est un gourou. Il dit, je ne sais pas si c'est un gourou ou pas. Un gourou qui ne va pas chez les gens, qui ne demande pas l'argent des gens. Est-ce que vous savez que la première définition de gourou, ça veut dire visionnaire? Paul était traité de gourou. Le problème, c'est l'huile. Voilà. Moi, de plus en plus, Dieu me dit, l'huile va couler de plus en plus, alors tu vas parler. Il faut que les gens viennent aussi démontrer l'huile qu'ils ont. Voilà. On prépare les lampes, les lampes, mais celles qui sont parties à l'enlèvement, ce sont celles qui avaient de l'huile. Pourquoi? Parce que pour passer par la porte étroite, là, il faut l'huile pour glisser. Il faut la graisse. Dans Ésaïe, il est dit que la graisse va briser le joug. C'est l'huile qui brise le joug. Pour briser le joug de la sorcellerie, il faut l'huile. Pour briser le joug de la religion, il faut l'huile. Voilà. Maintenant, on va avoir des réunions bientôt, là, si Dieu permet, ce que je ressens dans mon cœur, où je veux dire à tous les détracteurs, venez. Venez, vous qui prêchez les docteurs sur YouTube, là. Venez, vous tous qui parlez sur Facebook, venez maintenant. Là. On loue une salle. Je vais vous citer avec des noms, là. On va vous appeler par vos noms. Je vais commencer à vous appeler. Toi qui es en Belgique, viens ici. Toi qui es là-bas, là, viens ici. Maintenant, il y a un handicapé là. Ben, priez
qu'il soit guéri. S'il n'est pas guéri, c'est que vous êtes faux. Et moi, je vais prier mon Dieu. Et le Dieu qui le guérira, là, le peuple verra maintenant qui est qui. Là. Parce que les salafistes sont venus me voir, des musulmans, je leur ai dit la même chose. Vous voulez un débat? Oui, ils sont venus me voir pour un débat. Je dis, il n'y a pas de problème. Vous voulez louer une salle dans Paris pour qu'il y ait un débat, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas débattre sur la théologie, sur la Bible, sur le Coran. Non. Allez me trouver un aveugle de naissance. Avec un médecin qui le suit. Et le Dieu qui va le guérir, là. Si Allah le guérit, alors là, on suit Allah. Si c'est Jésus, alors vous allez suivre Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Comme dans un roi. Le peuple était là, le peuple boitillait, le peuple boitait de deux côtés, tout ça. Élie dit arrêtez. Le peuple n'a pas écouté. Le peuple a écouté Élie quand ils ont vu, quand les gens ont vu la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que les blablabla, là, on n'en veut plus, là. On veut la démonstration maintenant, là. Voilà. Et ça, l'évangile. Parce que dire dans 1 Pierre, Jésus a guéri les malades, mais si on ne voit jamais la guérison chez vous, il y a un problème, arrêtez de prêcher, parce qu'on ne voit pas la guérison. Vous prêchez des choses, on ne voit pas les résultats. Ce n'est pas l'évangile, ça. Moi, dans ma Bible, quand Pierre prêchait, il y avait des choses qui se passaient. Quand Paul prêchait, il y avait des choses qui se passaient. Quand Jésus prêchait, il y avait des choses qui se passaient. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades. Les malades étaient guéris. C'est ça que je crois. Je crois que Dieu n'a pas changé. Je crois que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand le roi de gloire entre quelque part, dans sa gloire, on voit des effets. Jesus Christ. Frère, je veux témoigner la gloire de Dieu pour vous montrer que Jésus n'a pas changé. Je n'ai pas de couverture sociale. Je n'ai pas de salaire. Et ça fait 25 ans bientôt que je ne suis pas parti voir un médecin. Aucun médecin, ni un généraliste, ni un ophtalmo, ni un cardiologue, ni qui que ce soit. Je dis, Seigneur, ta Bible, cette Bible-là est vraie. Je crois que cette parole est la révélation que tu nous as donnée, la plus importante, la plus grande. Je crois que Jésus est Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité 3 jours après. Je crois qu'il est notre Dieu, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je crois que son sang a vaincu Satan, les démons, le péché, la loi de Moïse, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je crois tout ça. Seigneur, je crois que tu es la guérison, tu peux me donner la guérison, que tu es Yahweh Rapha. Guéris-moi. Et Jésus me guérit. Ben oui, parce que je ne peux pas parler du Dieu qui guérit, prier pour les malades, si moi-même je suis allé voir, je ne peux pas voir les médecins pour un petit bobo, comme vos bishops sur internet là, petit bobo tout ça là, ils ont une couverture sociale, hein, ils ont une couverture sociale, ils ont chacun son médecin. Vous allez prêcher quel Dieu qui guérit là? Parce qu'un messager doit vivre son message. Voilà, vous avez peur de la mort. Un petit mot de ventre, tout ça, là, vous courez chez le médecin, le lendemain, vous allez sur YouTube, vous prêchez Jésus-Christ qui guérit. Moi, j'aime le défi. C'est pas l'orgueil, les défis. Je dis que Dieu, que le peuple qui m'entend ce soir-là, que le peuple voit que Jésus n'a pas changé. Que le Dieu d'Élie n'a pas changé. Oh, Dieu d'Israël. Oh bla 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 tout ça là, la bla 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 tout ça là. Oh, on a un centre de formation, tout ça, centre de formation, on veut voir les élèves qu'il y a là-dedans là. On veut voir les élèves. Parce que Dieu démontre avec Didasco là, Dieu démontre plus de 300 étudiants et c'est que le commencement là. C'est pas de l'orgueil. Ça c'est le témoignage de mon Dieu pour vous montrer que Dieu n'a pas changé. Et Dieu m'a dit va et parle parce que j'agirai encore plus. Paul disait quoi? Il disait le sceau de mon. Il disait mon apostolat a éclaté par les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par des guérisons, des miracles, par une patience, tout ça là, à toutes épreuves. C'est écrit dans la parole, frère. On m'a dit que Paul était orgueilleux. Non, il était saisi par l'esprit. C'est ça, mes amis. Porte et le roi de gloire entrera. Voilà. Jesus Christ. Il y en a. C'est comme les 7 fils de Séva. Ils ont pris un procédé, ils sont allés sur YouTube, à l'époque, hein, il n'y avait pas YouTube, mais c'est juste une image. Ils ont pris un procédé là, ils l'ont attrapé, ils se sont enfermés dans une pièce, ils ont commencé à chasser les démons que ce monsieur avait. En disant au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sortez démons. Les démons, il y en avait plusieurs certainement, les démons leur ont dit, nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus, mais vous qui êtes-vous? L'homme dans lequel les démons étaient, mes amis, il a sauté sur les 7 fils de Séva. Leur père était grand prêtre, hein, pourtant, prêtre. Mais ce n'est pas parce que ton papa était pasteur ou prédicateur que toi, tu es pasteur, hein, que tu es chrétien. Hein. Ah non.
Paul ne forçait pas. Ils ont observé Paul, ils ont voulu reproduire la même chose, la jalousie. Avec Dieu, c'est pas, ça marche pas par copie. Hein? Ça marche pas comme ça. C'est l'original que Dieu veut. Il faut une onction originale. Il faut une autorité originale. Il faut une gloire originale. Voilà. Moi, je peux parler comme ça parce que je sais que mon Dieu marche avec moi. Je sais. C'est pas de l'orgueil, non. C'est une assurance. Beaucoup de chrétiens n'ont plus l'assurance. Paul dit, il y en a qui ne veulent pas que j'aille chez eux, mais j'irai, je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Parce que le royaume de Dieu ne consistait pas en paroles, mais en puissance. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, frère. C'est la démonstration. Nous sommes dans une génération où il y a tellement de maladies et tellement de problèmes. Les églises, dans nos églises, il y a plus de docteurs, des gens qui parlent, ils aiment parler, blablabla. Ils ont de beaux discours, ils sont en costard et cravate, ils parlent bien. Mais le problème, c'est qu'on est aussi dans une génération où il y a tellement de cancers, de cas de cancer. Il y a le sida, cancer, hépatite, tout ce que tu veux, toutes ces maladies, frères et sœurs. Mais des gens, surtout, d'autres maladies spirituelles, vous avez vu le nombre de personnes qui sont dans le péché sexuel aujourd'hui? Vous avez vu toutes sortes de dépravations sexuelles aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, des gens qui changent de sexe, tout ça là. Ben, il faut la puissance de Dieu pour que ces gens quittent le péché. Il faut la puissance, il faut la gloire. Là, c'est pas l'onction. La gloire. L'église est née dans la gloire. Quand les 120 ont reçu le feu de gloire, là, mes amis, là, c'était magnifique. Pierre se lève, il prêche une seule prédication. 3000 conversions. Ah, oh, j'aime le feu de gloire, mes amis, là. Alléluia. 3000 conversions. Vous savez ce qu'ils ont dit, ces gens-là? Ils ont posé la question aux frères. Ils ont dit, homme, frère, que ferons-nous? Alléluia. Aujourd'hui, ce sont des bishops qui courent après les âmes, qui disent, venez prier chez nous. Venez prier chez nous. Venez prier chez moi à la maison. Invitez-moi chez vous. Oh, regardez-moi ces gens qui n'ont pas l'huile. Qui font leur propre promotion. Regardez bien. À l'époque, quand ils prêchaient dans le feu, là, mes amis, les gens eux-mêmes disaient, que ferons-nous? Les apôtres se cachaient, les gens les cherchaient partout parce que la gloire était là. Aujourd'hui, ils disent, ce sont mes brebis, vous êtes mes brebis, hein, c'est mon église. Quittez ces églises, frères et sœurs, quittez-les. Quittez. Fuyez-les. Vous me direz, pour aller où? Mais pour aller vers Dieu, Dieu est esprit. Nous sommes dans un royaume. Le royaume de Dieu n'est pas confiné dans un bâtiment, n'est pas enfermé. Faites confiance au Seigneur, invoquez le Seigneur, faites-lui confiance. Oh Jésus, sauve-nous. 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 Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Je suis complètement saisi là, mes amis. Là, ouais, je sais que Dieu m'a donné une langue là, qui me cause des problèmes, mais je n'ai pas le choix. Je ne cherche pas l'amitié de qui que ce soit. Moi, je donne le message et puis les gens doivent aller vers le Seigneur. Voilà. Vous avez vu? 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Et c'est ça le problème. Toutes ces vierges avaient des lampes. C'est-à-dire la parole. L'Église catholique aussi a sa Bible. Tob, même ses Bibles. Tob, Jérusalem. Et cette Église aussi a une lampe. L'Église protestante aussi a une lampe. Il y a des écoles théologiques qui sont des théologiens, tout ça là. L'église évangélique aussi, les églises indépendantes aussi, tout ça là, pareil. Les églises que vous connaissez ici à la gauche, à droite, tout ça là, les églises indépendantes qui sont fédérées comme les églises qui sont dans la Fédération protestante de France ou des églises qui font partie de la communauté des églises d'expression africaine. Voilà, une église qui dit qu'elle a une expression africaine. Alors que l'église doit avoir une expression céleste. Dans lesquelles se retrouvent toutes les églises en France, les ICC, les machins, les églises, les Rochers, tout ce que vous voulez, enfin bref, voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. Toutes ces églises aussi ont des lampes. Les témoins de Jéhovah aussi ont une lampe. Voyez? Les Kimbanguistes aussi, ils ont aussi une lampe. Toutes ces églises-là. Mais la différence maintenant, là, c'est que les vrais chrétiens entendent la voix du Maître. Ils n'obéissent plus aux hommes charnellement. Ils suivent le maître. Ils écoutent la voix du maître. Et ils ont non seulement la lampe, la parole véritable, mais ils ont aussi, mes amis, l'huile. Ces chrétiens-là, mes amis, quand ils prient pour les malades, Dieu se manifeste. Quand ils chassent les démons, le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils sont accompagnés par les miracles. Aujourd'hui, on ne les voit plus, les miracles. On ne les voit plus.
Oh Seigneur, sauve-nous. On dit, le Seigneur dit, il accompagnait sa parole. Aujourd'hui, les lampes là, les lampes de tous ces gens là, dépourvues d'huile, ces lampes ne sont pas accompagnées par les miracles, les conversions véritables, les délivrances, les libérations des âmes, les confessions véritables. Il n'y a plus. Et nous voulons vivre la gloire de Dieu, frères et sœurs. Nous voulons expérimenter le feu du réveil. Nous voulons expérimenter la sainteté. Nous voulons expérimenter le nom de Dieu qui sauve. Aujourd'hui, la liste prend de l'ampleur en Europe, dans le monde. Comment voulez-vous que certains musulmans se tournent vers le Seigneur? Il faut la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a le bouddhisme. Comment voulez-vous que des bouddhistes se tournent vers le Seigneur? Comment voulez-vous que nos amis ces religieux se tournent vers le Seigneur s'il n'y a pas une parole ouinte véritablement, frères et sœurs? Comme quand Pierre prêchait, quand Paul prêchait, quand Jacques prêchait, quand Jude prêchait, quand Élie prêchait, quand Jean-Baptiste prêchait. Vous me direz, Jean n'a fait aucun miracle, mais il avait la parole véritable, accompagnée d'huile, au point où les soldats se lui disaient, et nous que ferons-nous? Et nous que ferons-nous? Jesus Christ. Oh, alléluia. On est fatigué d'un Dieu présenté par le christianisme actuel, un Dieu moribond, un Dieu mort, une église dans la léthargie, une église complètement morte, l'église de Laodicée qui exalte sa richesse, une église qui pue. Nous sommes fatigués, frères et sœurs. Moi, je ne veux pas de cette église-là. Je ne veux, même ceux qui sont avec moi, je vous dis, ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va chauffer. C'est une nouvelle action de l'esprit. Ça va purifier, ça va chauffer. Il y aura encore des départs, des séparations, mes amis. Parce que le feu, là, le feu consumera toute œuvre maléfique. Au nom de Yeshua. Moi, je dis au Seigneur, si tu n'agis plus, j'arrête. Parce que tu as dit dans Jean 5, tu as dit, Jésus-Christ, homme, a dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Et ma Bible me dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est ça la parole de frères et sœurs. La persécution, c'est normal qu'on nous persécute. Les outrages, c'est normal qu'on nous outrage parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils n'ont pas l'onction, parce qu'ils n'ont pas l'autorité. Il n'y a rien chez eux. Ils prêchent, personne ne les écoute. Je vous dis, qu'ils fassent des séminaires, on va voir. Même ceux qui sont des gourous, là, qui des grands là, qui font des séminaires quand il y a du monde. Là. Moi, je veux voir des sorciers qui viennent et qui disent devant tout le monde, nous sommes, je suis sorcier. Comme dans Actes, mes amis, quand Pierre a prêché Paul, la parole nous dit que plusieurs de ceux qui avaient exercé l'art magique ont apporté leurs livres. Ils ont confessé la sorcellerie. Nous voulons voir ça. Ah oui. C'est ça l'évangile. C'est pas l'évangile, c'est pas la théorie. C'est pas seulement la théorie. L'évangile, c'est le côté pratique aussi. C'est la pratique de l'amour. C'est la pratique, c'est la compassion. Dieu nourrit les gens. Dieu guérit les gens. Dieu sauve les gens. Les jours de sabbat, lisez bien dans les évangiles, Jésus-Christ faisait les miracles souvent les jours de sabbat. Pourquoi? Et cet homme dans Jean 5, malade depuis 38 ans, le Seigneur dit, prends ton lit et marche, rentre chez toi. Or, il y avait un ange qui venait secouer l'eau tout le temps. Vous voyez? L'eau. Mais il n'y avait pas beaucoup de guérison, hein? C'était rare. Il fallait que quelqu'un saute le premier. Ça, c'est la religion. Et Jésus a rencontré cet homme où? Dans un bâtiment d'église? Non, dans la rue. Cet homme né aveugle, il était où? Devant le temple. Non, dans le temple, hein, devant le temple. Guéri, dehors. Vous avez vu? Le Seigneur a nourri les gens où? Dans un bâtiment, dans un temple? Non, dehors. Les gens qui ont été beaucoup plus guéris par le Seigneur, ils étaient où? Dehors, hors du temple, hors la ville. Seigneur, ça nous parle. L'église véritable, mes amis, a ouvert son cœur. L'église véritable, mes amis, a Christ dans son cœur. Parce que cette église est le temple du Saint-Esprit. Cette église-là n'est pas contrôlée par une organisation religieuse, par une fédération d'hommes, par une compagnie de faux pasteurs, de bishops qui sont unis les uns avec les autres, qui vont se congratuler les uns les autres, qui vont se glorifier les uns les autres, qui vont faire la pub les uns les autres sur leur Facebook, tout ça, machin. Tout ça, là, c'est de la fumée, c'est de la confusion, tout ça, là. Ce sont des jaloux, des enfants du diable. C'est livré. Voilà. Moi, ma Bible me dit que Jésus-Christ n'a pas changé. Voilà. Frères et sœurs. Oh, que Dieu nous aide. Voilà. Porte et levez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Effectivement, il est temps de faire la place, de laisser la place au roi. Véritablement. De laisser la place au Dieu Tout-Puissant, celui qui, n'est-ce pas, nous a créés, celui qui doit régner dans nos cœurs, dans nos assemblées. Et il faudrait, mes amis, que des chrétiens que nous sommes, acceptent que le Seigneur prenne toute la place. Et David disait dans Psaume 23, Yahweh est mon berger. Il est l'heure d'arrêter d'appeler les hommes mon pasteur, notre pasteur. C'est faux, c'est anti-biblique, c'est anti-Christ. Quand vous appelez un homme mon pasteur, c'est grave. Jésus dit dans Jean 10, je suis le bon berger. David, mes amis, disait que Yahweh était son berger. Pourtant, lui-même, David était berger. Il est question
mes amis, ici, de la gloire du Seigneur qui a été volée. Alors il faudrait vraiment lui rendre toute la gloire, qu'on arrête d'appeler les hommes nos pasteurs. Il faut qu'on appelle. Oui, il y a des pasteurs. Ce sont des fonctions, ce sont des serviteurs, ce sont des esclaves du Seigneur et ils sont au service des frères et sœurs, tout ça là. Mais il faudrait qu'on arrête ça parce que dans la Bible, aucun chrétien n'a appelé un homme mon pasteur si ce n'est Yeshua lui-même. Voilà. Et le Seigneur disait dans Jean 10, il disait, c'est mes brebis, nous sommes ces brebis. Et les vrais pasteurs là, aujourd'hui, sont aussi des brebis au même titre que vous. Apôtres, prophètes, docteurs ou pas, ce sont des brebis du Seigneur avant tout. Élever des linteaux, c'est permettre au Seigneur de se glorifier, c'est l'élever lui, c'est le servir lui, c'est l'adorer lui, c'est l'acclamer lui, c'est vraiment chercher avant tout à être en relation avec lui. Voilà. Et on ne va pas évangéliser pour amener les gens dans nos bâtiments d'église. Non, ce n'est pas ça l'évangile. On va évangéliser pour présenter aux gens le royaume de Dieu, qu'ils soient en relation avec le roi de ce royaume. Et c'est comme ça que ces hommes et ces femmes nouvellement convertis vont expérimenter la gloire de Dieu. Ce n'est pas en cherchant à les amener dans nos bâtiments, dans nos églises, dans nos maisons soi-disant, c'est vers le Seigneur. Voilà, c'est ça le message, frères et sœurs. Soyez encouragés, soyez fortifiés, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen.